Et salut tout le monde, ici Maniaco Shonen, on se retrouve aujourd'hui pour la fin, la suite et la fin, donc le deuxième épisode de FNAF World Halloween Edition, si je me trompe pas. Donc qui est un troll, enfin je joue avec, c'est pas vrai FNAF World, enfin je vous expliquais tout ça dans le premier épisode. Aujourd'hui on va le terminer, je suis désolé pour ce jeu, je peux pas enlever ce chrono là ici. Donc oui, c'est un peu débile quand le compteur de FPS affiche 5 FPS alors que c'est un vieux jeu 8 bits quoi, mais voilà. Donc aujourd'hui, je l'annonce, on va battre le boss final. Et quel est le boss final de ce jeu? Et bah c'est Purple Guy. Et ouais, c'est même Purple Geist. C'est un espèce de Satan Purple Guy, vous allez voir, c'est marrant. J'ai déjà battu pour tester, pour voir si c'était plus ou moins intéressant. Bon, c'est pas très intéressant, mais vous me l'avez demandé, je vais le faire. J'ai aussi entre deux acheté du coup la plus grande épée qui coûtait 900 et qui se trouvait ici. Donc je l'ai acheté. Et là je vais acheter ce qui a l'air d'être le dernier item, parce que là je vois, à part quand pour moi il reste plus qu'une place ou alors deux places, mais ça doit être tout quoi. Donc pour moi ça c'est le dernier item, on peut l'acheter, donc on va l'acheter. Et c'est bon, on a cette espèce de grande bible. Alors je sais toujours pas à quoi sert cet item, ça c'est pour notre vie. Le reste, on sait rien. Et puis j'ai aussi acheté le trèfle à 4 feuilles aussi. Bon allez, on va essayer d'économiser nos attaques pour le purple boss. D'abord t'arrêter toi. Et à partir de maintenant, je te bute à la griffe, parce que l'économie c'est bien. J'ai utilisé une attaque shield et puis après tout le reste à la griffe. Donc voilà, c'est l'économie hein. Vous êtes prêts pour le chemin final du boss? Oui, cette vidéo risque de pas être très très longue hein, mais voilà, vous voulez la fin, vous allez avoir la fin. Pareil, toi je vais te ralentir et je vais t'attaquer à la griffe. Voilà. Parce que lui c'est du coup voire le mob le plus puissant du jeu à part Purple Geist là du coup. Et bah du coup on va le battre. Voilà. Après j'utiliserai mon attaque qui me permet de me régénérer. Même si la dernière fois quand j'ai battu Purple Guy en fait j'ai pas... Oh, Red Bear, j'ai jamais tombé dessus, pas mal. Donc ouh, il y a le pied cassé par contre, ça c'est dommage. Donc je m'étais pas du tout pris de dégâts par Purple Guy parce que en fait comment dire, toutes mes attaques il était figé, du coup il pouvait pas m'attaquer en fait. Voilà, c'est dommage. Bon là on a 82 points de vie, quasi à notre maximum. Je veux aller voir ton boss s'il te plaît. Ramène-moi ton patron. Red Bear. Je ne veux pas que cette vidéo dure trop longtemps. Elle ne durera pas trop longtemps, mais justement, aide-moi en m'assurant une victoire facile contre ton boss. Merci. Et voilà. Oui, c'est cette chose. Oui, c'est ce Purple Geist. Donc vous allez voir. Et ben j'ai envie de dire. On peut y aller. Allez. Purple Geist, c'est bien ce que je disais. On va d'abord l'arrêter et on va récupérer notre vie. Bon, à ce moment-là, on a récupéré notre vie. On peut lui envoyer du rock dans la gueule. Et d'abord, on le fige, hein, voilà, c'est plus rapide. Voilà, il est figé et là, on l'attaque. Ouais. Ah, je trouvais ce jeu marrant, du coup. Enfin, ce fan game. Enfin, c'est même pas un fan game, non, du coup, c'est Scott qui l'a fait, mais ce troll marrant. Je sais pas du coup, je pense que oui hein, vu que vous êtes souvent au courant des nouveautés. Mais du coup le trailer de FNAF World est sorti, il est pas mal, il est sympa. Enfin moi je me suis bien marré en le regardant. Et là il va peut-être mourir en un coup là. C'est dommage, bon on va attendre avant de le buter. Parce que quand même je finis ma phrase. Parce qu'il faut pas que cette vidéo dure 3 minutes non plus. Même si elle va durer 5 minutes au final, donc c'est pas beaucoup mieux. Et donc ce trailer a l'air pas mal. Ce trailer c'est le trailer du vrai FNAF World du coup. Et on m'a demandé si j'allais le faire en let's play, sûrement, puisque les RPG, par exemple, là je vous ai fait celui-là, donc si je vous ai fait celui-là, pourquoi ne pas faire l'autre hein. Donc oui, j'ai oublié d'écrire, mais donc on voit ce machin violet bizarre là, qui fait bien sûr référence à Purple Guy, et qui a les dents étonnamment jaunes. Allez, on va finir par un rock, l'ultime rock. Oui, c'est la fin. Ah non, il n'y a pas de... je troll pas, c'est vraiment la fin. C'est The End, bah à la base, le jeu est un troll, donc c'est normal que la fin ce soit juste ça. The End.
Mais il a le souci du détail, du coup il a rajouté la pumpkin. Parce que voilà, c'est Halloween, la citrouille va bien avec l'ambiance, voilà. Et on a fini ce jeu. On a fini FNAF World Halloween Edition. Hein? C'était dur? Vous avez trouvé ça dur? Ou vous avez trouvé ça simple? Ou vous avez trouvé ça sympa? Enfin, dites-moi ce que vous avez pensé de ce jeu troll qui a été fait juste pour le troll. Hein. Il a pas passé des mois à le concevoir, ce jeu, Scott Games. Enfin, Scott Cawthon. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous avez pensé de ce jeu. Et voilà, donc la fin est expédiée vite fait. Hein. Au final, c'est juste un bon gros boss qui doit sûrement faire bien mal. Mais vu que je me suis jamais fait toucher, je ne pourrais pas vous le dire. Mais donc voilà, en gros, c'est juste un bon gros boss. Et si tu as la technique et si tu as bien économisé tes attaques, tu le tues sans aucun problème. Si tu as XP un peu quand même, parce que c'est pas au niveau 3 que tu vas le battre. Et ben voilà, donc ce jeu est un troll, mais pour un troll, je le trouve quand même pas mal sympa. Sur ce, vous pouvez toujours laisser un commentaire pour dire ce que vous avez pensé de cette fin. Voilà, parce que bon, au moins ça fait une vidéo pas trop longue, hein, donc vous pouvez regarder ça n'importe quand. Mais donc voilà, je vous avais bien dit que ce jeu n'était pas long. J'aurais même carrément pu faire une seule vidéo avec les deux parties. Mais voilà, je ne savais pas que j'allais mettre si peu de temps à finir ce jeu. Soit vous pouvez aussi laisser un j'aime sur cette vidéo si vous l'avez apprécié. Et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et que vous voulez suivre tout ce qui va suivre après sur la chaîne, hein, bien entendu. Sur ce, c'est Imane Koshonen et je vous dis à très bientôt tout le monde pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye tout le monde.